Hey, bonjour à tous, c'est Navex. Aujourd'hui, nous allons résoudre le mystère du serial killer. C'est un psychopathe qui répand des corps sur tout le continent et il nous laisse des petits indices dans la bouche de chacune de ses victimes. C'est vraiment très glauque, hein, on va pas se mentir les gars, c'est vraiment bizarre. Du coup, on commence avec la première pièce du puzzle qui se situe au sud de Wallace Station. Vous y trouverez un corps démembré accroché à un rocher. Vous trouverez à gauche, la tête de la victime avec le premier indice à l'intérieur. Imagine this is here by accident. Ugh. Ensuite, pour la deuxième pièce du puzzle, elle se situe au sud de la carte, vers Saint-Denis, près de Braithwaite Manor. C'est sûrement la plus chiante à avoir car elle est très loin. La tête avec l'indice à l'intérieur se situe derrière l'arbre où il y a le cadavre démembré. Making a point with you, huh? Pour la troisième et dernière pièce, elle se situe au nord de Valentine sous les rails du train. Vous allez trouver l'indice à gauche sur l'une des poutres du pont. Through the eye, too. Whoa. Phew. Poor bastard.
une fois que vous avez récupéré les trois pièces, vous pouvez désormais regarder la carte en entier. Pour trouver le lieu où se cache ensuite le psychopathe, rendez-vous tout près de Valentine vers le sud-ouest. Vous suivez la route, vous allez trouver l'endroit en question. Sachez que vous pouvez toutefois récupérer les indices dans l'ordre que vous désirez. Ceci ne changera rien. Et voilà, vous êtes donc arrivé à la fin. Suffit juste de rentrer dans la cave. Je vais pas vous spoil, donc allez-y par vous-même et découvrez qu'est-ce qui se passe. Si la vidéo vous a été utile, n'oubliez pas le petit like et vous abonner. Ça me ferait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite bon jeu à tous. C'était Navex. Peace!